Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Moi ça va très bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour la bêta fermée de The Crew 2 sur PC. Donc on va s'y lancer tout de suite, hein, sans blablabla. C'est un jeu édité par Ubisoft et qui sortira que le 29 juin prochain. C'est parti. Champions swirls around it brilliantly. Now that's the skill that wins, no matter what the engine, no matter what the track. He's this season's undisputed motorsports champion, coming out of nowhere to rise to the top. Donc ça, ça doit être une scène qui se répète quand on touche pas la manette. Donc maintenant, on va vraiment lancer l'aventure car j'ai l'impression que c'était le trailer, ça. Bah, allez, go. En tout cas, il a l'air super beau. Alors, on va voir les options, vite fait. Paramètres de jeu. Français, métrique. Hop, on va revenir en vidéo. Alors on est comment, 60 moi je dirais, synchro, ultra, ouais, en audio. On a pas beaucoup de trucs à peut-être baisser un peu la musique parce qu'elle est un peu forte, je trouve. Alors, on va la mettre par là. Bon, je joue avec la manette donc ça devrait être simple. C'est la démo. Allez, on lance une nouvelle partie. C'est parti. Ah, j'avais trop hâte de jouer à ce jeu. Les amis. Alors, je vais décrocher les étoiles. Vous allez voir. Il n'y a pas de limite. On peut toujours aller plus loin. Découvrir, explorer. On dirait un gamin. Où que vous alliez, vous me trouverez devant, juste devant vous. J'aime bien le gamin, mais lui me ressemble plus. On va prendre lui. Faut maintenir. On maintient. On doit avoir des histoires différentes selon qui est-ce qu'on choisit, je pense. En tout cas, elle a l'air beaucoup plus dynamique que le premier. Bon les gars, on se bouge. On passe à l'antenne dans pas longtemps. Ah, Hiro Yuki Carter. Ah, appelez-moi Hiro. Enchanté.
Je commençais à me dire que vous et votre pilote, vous alliez jamais venir. Je travaille pour Live, l'entreprise de caméras qui sponsorise la course. Je gère l'événement. Venez avec moi. Je tenais vraiment à vous remercier. La chance que vous nous donnez, c'est formidable ce que vous faites. De rien. On est toujours à la recherche de partenaires de talent, un peu comme vous et votre camarade là. Je pense pas avoir à vous le dire, mais si vous faites du bon travail, beaucoup, beaucoup de portes s'ouvriront. C'est compris. On vous décevra pas. Me décevoir ? Oh, il s'agit pas de ça. C'est votre chance d'impressionner des gens importants. Les événements que nous organisons sont des tremplins vers toutes les familles de sport mécanique du pays. Vous avez bien pour objectif de piloter. Ouais, ouais, c'est vraiment important pour nous. On a déjà essayé de diffuser nos propres courses, mais j'imagine que des courses entre inconnus, ça intéresse personne. Croyez-moi, si vous montrez ce que vous savez faire aujourd'hui, vous deviendrez célèbre comme ça. Faites une belle course et vous verrez vos options comme votre public se multiplier. Ouais, on fera de notre mieux. Hiro, mon ami, je veux pas de votre mieux. Je veux du légendaire, je veux de la tuerie. Bon allez, je dois y aller, j'ai une course à organiser. Bon courage. Ok, merci. Tu peux y aller, mon vieux. Casse la baraque. En fait, casse tout sur ton chemin. Pilote comme tu l'as toujours fait et on passera professionnel en moins de deux. Bienvenue dans la ville qui ne dort jamais. Préparez-vous à voir New York envahi par une horde de pilotes déchaînés pour une course défiant les lois de l'imagination. Ce n'est pas une simple ville, c'est un véritable terrain de jeu pour les meilleurs sportifs d'aujourd'hui et de demain. Et voilà ça nous jouait. Bon, tiens, on préfère avoir les GTR, mais c'est pas très grave. Attendez, vidéo, j'avais dit 60. Maintenir pour... Ah, ok. Appliquer. Oui. Moi, je voyais la différence, en fait. Nous vous invitons voilà. Aujourd'hui à assister au premier épisode du Live Extreme Series de l'année. Au cours de cette nouvelle saison, des challengers de talent vont se mesurer aux stars du circuit et essayer d'impressionner les différentes équipes de course. Et croyez-moi, elles sont aux aguets. Mais surtout, ils vont devoir vous impressionner, vous, le public. S'ils veulent gagner des fans, en tout cas. Mince, c'est comme ça que ça marche. Faire de belles courses, arriver premier et gagner plein de followers. On essaie de rattraper l'autre devant. Bon, la conduite, ça change carrément du 1, je la trouve même mieux. Elles sont les carrément géniales. Ah, même ça, c'est carrément mieux. Prendre de la hauteur, regardez-moi ce saut. Vous avez vu comme les chiffres atteignent les sommets? Ouah, comme c'est génial. Allez, faut qu'on les rattrape devant, on les voit. Ah, il est vachement, mais vachement beau quoi. Il est fluide à souhait alors que j'ai qu'une 980 en carte graphique. Et maintenant, c'est parti pour l'extrême. Ouah non, comme ça le déchire. Comment on change comme ça là? Remettez-moi la terre plate, s'il vous plaît. Là, c'est un peu moins fluide. Mais bon, après, c'est ma carte graphique qui est à fond. Hein. En plus, je suis en train de capturer en même temps. Ouais, changer de vue, c'est comment? J'ai pas l'impression qu'on puisse. Vous gagnez des followers en gagnant des courses, bien entendu, mais ce n'est pas tout. Réaliser des figures spectaculaires comme celle-ci et les fans se bousculeront au portillon. Ah là c'est mieux. Ah franchement il est super mais super beau. Donc c'est un système de followers. On va passer tout droit.
quoi ça? Ça fait gagner des followers en faisant ça en plus. Bon, la ligne 3 se met longtemps à charger. Il y a les avions juste au-dessus. On en est à deux tiers du circuit et j'ai l'impression qu'on est en train d'assister à la naissance d'un nouveau prodige. Oh, excellent qu'on coupe la traînée de l'autre d'avant, qui est juste qu'une devance, on saute. Ouais, j'ai fait me prendre le truc. Waouh, encore changé. M'en fous, j'ai envie de sauter avant. Préparez-vous pour le grand final, ça va être chaud. Ouais, les avions, j'attendais ça. Ah, les avions. J'espère qu'ils sont pas loupés. Y a pas de secret. Aujourd'hui, il suffit plus d'être un bon pilote. Faut aussi être pro en dehors du circuit et savoir gérer sa présence sur les réseaux sociaux. C'est tout simple en fait. Plus vous avez de followers, plus vous pouvez en gagner de nouveaux. Signez avec une équipe et les autres s'intéresseront à vous. Fidélisez des supporters et les contrats commenceront à pleuvoir. En d'autres termes, un pilote qui réussit à attirer suffisamment de followers aura accès à de nouveaux styles de pilotage appelés discipline. Sensation forte garantie. Et n'est-ce pas ce qu'on recherche tous? Bah, ça va être chaud de piloter oh comme là ça. Là, je sens les followers arriver d'ici, pas vous? Allez. 2000 followers déjà. On va changer de vue parce qu'on voit que dalle. Bon, je vais pas arriver premier, mais. En même temps, là, j'étais à fond tout le temps, quoi. C'était le premier épisode de notre série Live Extreme en direct du cœur de New York City. C'est celle-là que je voulais, voiture. Et n'oubliez pas de nous suivre sur les réseaux sociaux. Ah, franchement. Ouah. Ah si, il est largement, mais largement mieux que le premier, enfin pour l'instant. Il est plus fun, on va dire. Alors devine quoi, camarade? C'est officiel, on a cartonné. Va falloir qu'on fasse nos preuves, mais je m'inquiète pas. On a le talent qu'il faut. Et il y a tellement de trucs à essayer. Bateaux, avions, toutes sortes de caisses. Ici, c'est le plus grand buffet du monde. Et on va pouvoir goûter à tout. J'arrête pas de recevoir des appels de partout. Street racer, off-road, pro-racing, freestyle. On devrait aller voir ce qu'ils nous proposent, vu qu'on a le choix. Dis-moi chez qui tu veux qu'on aille en premier, et c'est parti. Camarade, sois le bienvenu à Motor Nation. Bon. Ben apparemment, on a quatre options. Par quoi tu veux qu'on commence? C'est toi qui décides. Alors, ça c'est quoi? Notre street racing, la Audi Dakar, on en a pas fait, donc on va faire ça. Donc je ne sais pas combien de temps va durer cette vidéo. Hey, salut. Moi c'est Wade Palmer. T'as parlé de moi? Bienvenue dans mon show. Cherche quelqu'un qui a pas peur de sortir des sentiers battus. Je veux bien te prêter une caisse si t'as ce qu'il faut. Et qu'est-ce qu'il faut? Prends les clés, mon ami, et tu le sauras. Si tu gagnes, tu gardes la voiture et tu pourras participer à de vraies courses. Waouh. Si tu perds, je reprends ma bagnole et c'est ciao. Ouais, il y aura peut-être la 205 Turbo 7, je vais une lancer le Delta à côté. Non, bien sûr que non. Ah, le Raptor, il est beau. Hein. Ça commence direct? Même pas un chargement, quoi. Youhou! Ouais, mais le son, comme ils sont gavés, les gars, même les décors, ils sont largement plus beaux que dans le premier. Allez, faut défoncer les barrières. L'autre, il est où? Par là-bas. Il va falloir monter, je pense. On a bloqué le compteur déjà. Ah, ça se voit qu'elles sont d'origine les caisses. Oui, mais tant que
Ils disent de mettre le boost, mais tant que c'est pas plein, ça sert à rien, on perd trop de temps après. On va se remettre en extérieur. Allez, franchement, il est magnifique. Hein. Ouais, regarde devant Ludo, à la place de regarder autour. On va se faire un saut, les amis. On va décoller. Wouhou! Ah, c'est chaud. Avec le volant, il doit être énorme. Mais après, quand on change, quand on se met en avion, ça doit faire bizarre. Ah, il faudrait l'augmenter la bagnole. Donc je compte aussi faire des lives sur ce jeu, les amis. Tous les jours de la bêta fermée, il y aura des lives. Wouhou! Pas mal. Faut qu'on parle de ton avenir, toi et moi. Allez, viens, je vais te montrer Basecamp. Et ta nouvelle voiture. Oh, comme ça déchire. Oh, le bruit. Ouais. Après, je sais pas si le son sera pareil pour vous dans la vidéo, mais... Hey, regardez qui est là. T'as fait tes preuves. Maintenant, t'es chez toi ici. Alors, bienvenue dans ce petit coin de paradis du hors-piste. On y trouve toutes sortes de pilotes. Ceux qui tracent, ceux qui grimpent et ceux qui gagnent. Je parie que toi, tu veux faire partie du troisième groupe. Lui, c'est Tucker Morgan. Mais tout le monde l'appelle Tuck. Il se prend pour le champion du coin, mais on va montrer à cet amoureux de la nature à quel point il a tort. Il passe son temps à explorer des nouveaux coins. Beaucoup de mecs font ça ici, mais ils se plantent. Il ferait bien mieux de se concentrer sur les courses. Mais s'ils s'entraînent pas, ça nous arrange. Toi, comme moi. Au fait, quand t'auras un moment, passe à l'atelier pour récupérer ta bagnole. Vois ça comme un investissement pour ton avenir. Les autres modèles, par contre, t'oublies pour l'instant. Faudra que tu les gagnes. On aurait dit un zombie devant une bagnole. Moi, ça me va la Peugeot. Wouah, on se contrôle. C'est pas... Je suis pas lui normalement. Ah, d'accord, c'est qu'en fait, il y a tous les gars de. Ah, ça doit être les gars en ligne qui sont en même temps dans la bêta. Je vais faire ça là, moi. Une petite citron. C'est quoi, elle ressemble au multiplat, celle-là. Y a rien d'autre comme bagnole, de toute façon. Bon, bah, celle-là, la citron. Attends, on peut peut-être choisir. Ouais, mais j'ai que 9000 là. La citron a fait 39000. Je vais voir les autres voitures qu'il y a. S'imaginer que ça là. Ah, celle-là, c'est celle-là de. Ah, Kenbrock. Ah, il y a l'ancien Delta. Il n'est pas la 205 Turbo 16, c'est bizarre. Ouah. Ouah, une GTR. Ouais, même celle-là, une Dodge. Et alors, c'est laquelle qui donne en fait? On s'en fout, c'est ça? Comment on fait pour sortir de là? Qu'est-ce qu'on peut faire? C'est elle qui te donne, c'est ça? Ouais, c'est l'hôtel, je pense. Il n'y a pas de prix dessus. Alors, on va la prendre, comme ça, on pourra sortir. Voilà, un petit buggy. Voilà. Alors, 9 nouvelles activités. Eh, dis donc, ça te dirait de gagner de l'argent juste en conduisant? Il y a un magazine qui nous a demandé de prendre des photos pour eux. Regarde l'album photo pour savoir lesquelles. Rien ne t'y oblige, mais c'est de l'argent facile. Ce que je voudrais, moi, c'est voilà, faire des streets un peu. En fait, faire un
un check pour la première vidéo découverte. Tiens, une nouvelle tête. Moi, c'est la Trelle. Disons que je suis le comité d'accueil non officiel de la famille des Street Racers. Ici, on prépare nos caisses et on se distingue pendant les courses. Si ça t'intéresse de nous rejoindre, il faudra faire tes preuves. Je te prête une voiture, mais c'est toi qui conduis. Si tu gagnes, tu restes. Mais attention, c'est un prêt. Ne l'abîme pas. Ça doit être comme ça dans chaque début de course, je pense. 2-1. Un peu de drift, un peu de boost, on saute. Ouais, elles sont largement plus dynamiques les courses. Et on sent beaucoup plus le poids de la bagnole dans la conduite. Donc je vais sortir carrément parce que bon, dans les sauts, ça va pas le faire. Tu vas voir la Viper, j'arrive. Bonjour une GTR à vrai dire. C'est pas la même. Tout à l'heure j'appuie sur X pour tourner mieux, mais je suis pas sûr que ça fasse quelque chose. Ah, on a déjà fait un tour, d'accord. Bon, pour l'instant je suis premier. Aïe. Ah, je suis deuxième. Troisième, non, je vais être premier moi. Je mets le boost et il me crame quand même quoi, c'est abusé. Faut pas freiner les gars, faut accélérer. Et ça le fait hein. Je dois être le frein à main. Bien, t'as réussi. Allez, viens avec moi. Je vais te montrer un truc qui va te plaire. Deuxième, ça suffit. Ouf. T'as fait une belle course. Tu as donc gagné ton droit d'entrée au spot, le point de ralliement de la communauté Street Racing. Je fais partie de ceux qui veulent donner un cadre officiel à ce qu'on fait. Si tu penses pareil, on pourra peut-être s'entraider. Lui, par contre, il veut que ça reste underground. Son nom, c'est Edgar Marquez. Mais il vaut mieux que tu l'appelles Tio. Dans le coin, c'est lui le champion, le roi du 400 mètres départ arrêté. Si tu veux arriver à le battre, va falloir que tu donnes tout ce que t'as et deux ou trois trucs que je vais t'apprendre. Parce que, ok, t'as du talent. Mais moi, ce que je t'offre, c'est la maîtrise absolue. Tu vois les caisses, là? Il y en a une pour toi. Disons que c'est un cadeau pour avoir passé le test. Les autres bagnoles, par contre, il va falloir que tu te les payes. Gagne des courses, fais-toi respecter, et tu pourras t'amuser avec plein de joujoux. Drift, drag racing, hypercar, enfin, tu vois le genre. Il faut que tu cours, et surtout, il faut que tu gagnes. Alors choisis une voiture, prends le volant, et montre-moi ce que tu sais faire. Niveau débutant. Alors, moi, j'hésite entre celle-là, voir si on peut pas prendre celle-là. Une RX-7 serait pas mal. Non. Celle-là, si on pourrait la prendre, celle-là. Vu qu'on a l'argent pour. Là, on n'a pas l'argent. Ouais, c'est de plus en plus cher, quoi. On va prendre la gratuite.
Ça va être la MX5. La 8. En blanche. Celle-là, j'aime bien. Oui. Nouvelle activité. Cool. Tu te rappelles ce qu'on disait à propos de customiser nos véhicules? Et ben là, on a les outils pour le faire à la maison. Mais rien avec des flammes, ok? Oh si, c'est joli avec des flammes. Allez, maintenant bateau. Écoutez-moi bien. J'ai besoin d'un pilote. Si vous savez vous débrouiller sur l'eau, dans les airs, et sur la route évidemment, mais ça c'est pour plus tard. Vous êtes peut-être la personne que mon équipe cherche. Faites mieux que le temps d'essai, et le job est à vous. Sinon, je suis sûre que quelqu'un d'autre pourra réussir à votre place. Alexis Kendrick Racing n'engage jamais que des winners. Et Alexis, c'est moi. Alors faut me croire. D'accord, mademoiselle, je vous crois. Oui. Ah, il est chouette le bateau là. Oh mais on voit rien là. Tant qu'on sorte. Hein. À 230 km/h sur la flotte quoi. C'est abusé. 250 même quand on met une nose. Par contre on va passer les vagues je trouve. D'accord, je viens juste de voir un truc qu'on penche en arrière en fait. On va passer par là. On va le faire. On penche en arrière en fait, on va plus vite. Si on penche en avant, c'est pour mieux adhérer je pense. La statue de liberté. Bravo, t'as gagné la place. Allez, on va quelque part pour parler de la suite. Regardez-moi ce jeu comme il est magnifique. Bon, il y a quelques textures qui bug encore, mais qui sont pas finalisées, je trouve. Eh ben, c'était pas mal. Je suis impatiente que tu rejoignes notre équipe. Il y a encore peut-être des trucs à affiner, mais c'est pas grave. Je t'apprendrai ce qu'il y a à savoir. Va falloir bosser dur, mais tu verras vite les résultats sur la piste. Bon. Ça, c'est le pit. C'est là que les vrais pros du racing viennent s'entraîner. Tu peux venir quand tu veux. C'est ta place, ici. Lui, c'est Clarence Bishop, troisième du nom. Ici, c'est lui le champion en titre. Un vrai aristo de la course. En fait, son père et son grand-père étaient champions aussi. Ce qui explique un peu son attitude. Ça me rappelle Lewis Hamilton. Si tu gagnes des courses, il va pas apprécier du tout. Il est du genre old school. Il dit toujours qu'il faut rien changer. Il y a des tas de pilotes qui pensent différemment. Moi, je crois qu'il faut trouver un genre d'équilibre. Toi, tu es libre de penser ce que tu veux. Au cas où tu te demanderais, il y a un powerboat qui t'attend dans le magasin. Pas la peine de me remercier, tu l'as mérité. Puis tu vas en avoir besoin. Ceux-là, tu pourras toujours les acheter plus tard. Pas celui-là, petit scarabée, pas encore. Il va falloir que tu gagnes quelques courses avant. Niveau débutant. Allez. Bah c'est celui-là gratuit. Parce qu'après ils vont. Il va pas vite celui-là, 125 km/h. Pourtant elle a fait la même puissance. Waouh, pratiquement 300.
Pourtant il est beaucoup plus moins puissant. Ouais. En fait on a un des meilleurs d'entrée quoi. Ouais. Noir. Et maintenant il nous reste plus que l'avion. 9 nouvelles activités. Au cas où tu n'aurais pas remarqué, tu peux éditer des vidéos avec la live app. Ouvre la carte, cherche un peu et tu trouveras les outils nécessaires. Je parie qu'on gagnerait plein de followers en les publiant. Maintenant, c'est l'avion freestyle. En fait, il y a plusieurs disciplines. Tout à l'heure, il y avait Formule 1 et tout. Et là, c'est plus du drift, cascade et compagnie, quoi. Bienvenue dans le monde des freestylers. Moi, c'est Sophia, et je vais t'expliquer comment ça marche. Ici, il n'y a que le fun qui compte. Si tu veux nous rejoindre, c'est facile. Tu prends un avion, tu fais toutes les acrobaties de la liste dans l'ordre indiqué, et n'oublie surtout pas ton sac à vomi. Si tu l'utilises, t'as perdu. Mais si tu bats mon score, tu gagnes. Plus tard, je te montrerai ce que je sais faire, mais pour l'instant... c'est ton tour. 3, 2, 1. Youhou! Essaye un tonneau maintenant. Commence par stabiliser l'avion et oriente le stick dans la direction que tu veux pour réaliser un tonneau complet. C'est compris? On passe au air drift. Maintiens ton palonnier gauche ou droit enclenché suffisamment longtemps et fais des essais. D'accord. Prudence pour les vols à la verticale. Oriente une des ailes de ton avion vers le bas, et ça devrait le faire. Essaie un looping. Tire sur le manche pour faire un tour à 360 degrés. Là, je viens de le faire. Et maintenant, basse altitude. Je te laisse deviner de quoi il s'agit. Fais juste gaffe à pas voler trop près des arbres si tu veux pas un cours intensif en atterrissage d'urgence. C'était mortel, bravo. T'as assuré. Faut que tu rencontres mon pote Emmett au barn. Je suis sûr qu'on trouvera des trucs à faire. Et voilà, on a fait un check, on est déjà à la moitié. Ouais, il est dynamique quand même le jeu, j'aime bien. Moi, c'est Emmett. Et toi, tu dois être le nouveau talent dont Sophia m'a parlé, non? On va voir si elle sait aussi bien évaluer ses recrues qu'elle sait piloter. Et conduire. Et aussi... tout ça, quoi. Bref, tu m'as compris. Alors, je dois t'expliquer ce qu'on fait ici. C'est pas facile à décrire. Tu vois ces mecs, là? Ils bossent dur, ils aiment s'éclater. Et ils arrivent à vivre de leur passion. Si on n'est pas capable d'en faire autant, c'est qu'on n'a rien à faire ici. Mais bon, Sophia a l'air de te faire confiance. Ça veut dire qu'elle t'aime bien. Au fait, elle et moi, on a quelque chose pour toi au magasin. C'est là-bas. Tu pourras prendre de nouveaux modèles une fois que t'auras chopé les bases. Mais je vais t'en offrir un, juste pour te faire plaisir. Et n'oublie pas de sourire quand Sophia t'aura bien humilié là-haut. En attendant, tu devrais te trouver quelque chose à faire. Ici, il n'y a pas de règles, à part fais ton mieux et éclate-toi. T'as intérêt à les respecter. Là, il y en a que trois alors. Ça doit être celui-là l'avion qui me passe. Alors, le gratuit, voilà, maniabilité. 418 km/h.
420. C'est une fusée celui-là, non? D'accord. Bon bah on va prendre le gratuit nous. Hein. Avec une couleur de toute façon. Nouvelle activité. Tu sais quoi? Il y a un moyen facile de gagner des followers. T'as juste à faire des trucs cool comme voler en dessous des ponts, drifter ou faire des sauts énormes. Plus t'enchaînes de figures, plus ça te rapporte de followers. Dakodak, alors, si on sort de là, on est où? On est en avion. Je me demande si on peut atterrir. Hey! J'ai modifié 2-3 trucs pour que tu puisses passer plus rapidement d'un type de véhicule à un autre. C'est qui le meilleur, hein? C'est qui, hein? Bah c'est moi, non? Eh, tu te rappelles ce que j'avais fait pour que tu puisses switcher entre 2 types de véhicules? Bah maintenant, tu peux le faire avec 3. Non, non, me remercie pas. D'accord, en fait on laisse appuyer sur le joystick droite. On va voir si on peut atterrir. Freine. On vide des tours. Hein. Par contre, on fait que ça qu'on switch. Et là-dedans, on est comment? Rien. Oublie pas que tu peux ouvrir la carte pour consulter les diverses activités disponibles. Enfin, tu peux aussi te la jouer zen, hein. On peut carrément sauter au bateau alors qu'on est ici, quoi. Bateau c'est fun. Alors la carte c'est toujours select ou pas? Ouais, c'est toujours ça. Ah ouais, carrément. Ça pète. Il faut quand même qu'on s'approche pas mal pour voir. Ouais non, ils l'ont fait. Non, c'est pas Game Select là, je sais pas quoi. C'est peut-être pour le... Ah, c'est peut-être le truc pour Monster Truck qu'ils avaient fait à un moment. C'est là où je m'entraînais pour dans le 1. Il avait un défi de vitesse là. Échange de mes pièces. D'accord, ouais, je voulais voir un autre truc. C'est pour prendre la voiture normale. Véhicule. Ah d'accord, on appuie sur Start, mais choisir. Performance, c'est de voir. On va se l'essayer un peu. On va aller par là-bas. Chaque fois que tu établis un record, il est envoyé à la live app pour que tu puisses le partager avec tes amis. Ça leur donnera peut-être envie de le battre. Enfin, s'ils ont le niveau. C'était F3, je crois. Voilà. J'étais encore dans l'eau. C'est pas toi comme voiture que je veux, c'est l'autre. Voilà. Ah ouais, d'accord. Ah, le son, il est carrément mieux. Hein. Dedans, voir.
est pas mal comme bagnole ça là. Bon, les ennemis, enfin les voitures, il y avait un car qui vient de dépop en face. Bon après c'est une bêta. Hein. Donc je suis toujours en ultra, je vais voir ça vite fait. Option. Ultra, oui. Je vais te mettre en ultra moi. Ultra. Je sais pas c'est quoi. Ultra. Ultra. Élevé. Élevé. Ou intermédiaire. Le flou c'est chiant. Et un, hop. Ultra. Élevé. 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 Appliqué. Oui. Ça n'a pas changé grand chose. J'adore le bruit des moteurs et tout. On va aller voir vite fait à Las Vegas. Oh non! Les rétros les gars quoi, Ubisoft! Peut-être prendre l'avion, ça sera plus rapide pour aller à Las Vegas. De nouveaux followers avec l'action que tu viens de faire. Toutes celles que tu réaliseras à partir de maintenant t'en rapporteront encore plus. Alors donne-toi à fond. On dirait qu'on conduit un bateau là. C'est bien Las Vegas là où on est. Ça a l'air. Il est où la tour Eiffel? Allez là. On va s'arrêter là les amis. Au pied de la tour Eiffel. Non, j'ai pas ça. Voilà, on va se mettre par là. Par contre, j'aimerais changer de bagnole. Et est-ce qu'on peut pas changer. La mettre en favori, celle-là, à la place de l'autre. Favori. Voilà. Comme ça, je pourrais changer directement avec celle-là. Alors, le GPS me dit tout droit. Le bruit, il est vraiment énorme. Vous me direz en commentaire ce que vous en pensez, franchement, les amis. Après il est beau mais on va dire que c'est les voitures des PNJ qui sortent du décor. En fait ils sont pas assez on va dire qu'ils sont ils ressortent trop. T'as les retours de flammes que ça fait à chaque fois. Pouh. T'entends ce bip là? C'est ton radar qui indique qu'il y a une récompense live à proximité. Plus qu'à suivre les bips pour la trouver. Plus t'es proche, plus les bips sont rapides. Vas-y essaie. Bip là. J'ai pas l'impression que ça se rapproche vraiment. Ah non, même pas. Ah bah pas mal cette bagnole. Il y a un manège.
Oui, il y a un logo de bagnole là-bas. Bon, c'est le dernier truc qu'on va voir, après on s'arrêtera là. Il faut une hypercar. D'accord. Par contre, ce que j'adore, c'est les suspensions, quoi. Ils ont vraiment fait un truc bien. Donc voilà les amis, alors n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de cette vidéo découverte sur The Crew 2. Moi, mon avis, alors je trouve sympa, sauf que y a les voitures des PNJ, je trouve que des fois, ils ressortent un peu trop du... Regardez, en fait c'est limite moche quoi. Vous voyez les reflets qu'on pourrait être sur notre voiture. Notre voiture, ils sont beaux les reflets là, c'est moche. Regardez, les pneus aussi sont un peu dans le sol. Mais bon, j'espère que ce sera corrigé dans le jeu final. De toute façon, c'est qu'une bêta. Autrement, niveau du son, c'est vraiment génial. C'est vraiment hyper génial. Et l'immersion du jeu nous jette directement dans 100 temps de chargement. On peut aller n'importe où. La carte, elle est vraiment immense. On voit à peu près tout ce qu'on a fait comme chemin et tout. Il n'y a plus ce système de « oui, il faut faire ci, il faut faire ça pour débloquer, on veut le brouillard sur la carte. » Là, ça y est, plus si on veut venir là, on clique et on peut voyager vers directement. Et nous y voilà sans temps de chargement. Donc c'est vraiment le top de top. Donc voilà les amis, n'hésitez pas à liker, à partager la vidéo si vous avez apprécié, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. À me donner votre avis en commentaire sur cette première vidéo. Je vous dis à très vite. Portez-vous bien. Ciao, ciao.